Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. C'est le moins que l'on puisse dire. Après la découverte du petit Hervé Goni, il a seulement 2 ans et habite la Riviera 3 à Labra. Découverte avec Roxane Missou et Sacrio pour Le Constat. Génie de souche, il est né en 2005. 2 ans de vie et déjà, la nature à travers son intelligence, disons sa mémoire hors série, lui confisque son enfance. Le petit Hervé Gonhi développe une singulière aptitude à mémoriser ce qu'il entend, apprend des autres ou de son environnement immédiat. Ton ami, c'est qui? Pagbo. En 1969, là, ils l'ont mis en prison. Il a fait combien de temps en prison? 2 semaines. Fait 2 semaines. Bon, maintenant, ton ami Pagbo, là, il a été élu président en quelle année? En 2000. Qui est le président de la FIFA? Platé. Faut parler fort, hein. Qui a reçu le ballon d'or africain 2005 et 2006? C'est ton patitier. Qui est le secrétaire général de la francophonie? Duf. Qui est le président de la Palestine? Abbas. Qui est le président de la Chine? Michel. Qui est le président des États-Unis? Bush. Qui est le président de... Qui est le premier ministre israélien? Et Olmer. Maintenant, qui est le président du Conseil économique et social? Sologo. Qui est le président de l'Assemblée nationale? Mamadou Kobayi. Qui est le président du PDCI? Etienne. Président du RDR? Ado. Qui est le président de l'UDCI? Etienne. Qui est le maire de Cocody? Thomas Tchagou. L'accord direct, là, ça a eu lieu où? Avaga. Qui fut le facilitateur? Tokoke. Compaoré, ok. Bon, maintenant, qui est le président du Bénin? Ayoboni. Qui est le président du Zimbabwe? Le bon Mugabe. Qui est le président du Togo? Fayatigwe. Qui est le président de l'Union africaine, en même temps président du Ghana? Oufa. Qui est le président de la Libye? Gaddafi. Qui est le président du Cameroun? Obia. Qui est le président du Gabon? Bongo. Qui est le président du Sénégal? What? Ok. Parmi toutes ces personnalités que tu as citées là, qui est ton ami? C'est Pagbo. Bon, sa femme s'appelle comment? Effectivement. Ok. Bon, maintenant, quelle est la devise de ton pays? Il y a 18 travail. Ok. Quelle est l'hymne nationale de Côte d'Ivoire? Absolument. Absolument. Okay. On dit souvent des enfants qu'ils ont de qui tenir. Mais dans ce cas-là, le père lui-même émerveillé semble ne pas déceler de lien évident avec les agissements hors du commun de sa progéniture. C'est tout simplement un don du ciel. Bon, à 9 mois, il suivait la télévision et puis en ce moment-là, le président Gbagbo recevait les attiers. Et c'est ainsi, bon, ils se sont levés, ils ont commencé à ovationner le président Gbagbo, Gbagbo. Et puis bon, et c'est comme ça, à 9 mois, il a commencé à parler et il a dit aussi Gbagbo, Gbagbo. Et puis bon, c'est comme ça, c'est parti. Le petit Hervé, appelé affectueusement par son entourage bébé Gbagbo, n'est pas seulement la fierté de son père. Il est également plus qu'un espoir pour sa mère, qui voit en lui ses jours meilleurs. En fait, de Riviera 3 à Labra, c'est ici, dans cette habitation précaire peu propice à son épanouissement, que vit le petit Hervé et sa famille de déplacés de guerre, en attendant que son génie fasse de lui un érudit au lendemain aisé.